Thank you.
de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est caractérisée par la jalousie, par la haine, par la calomnie. J'entends à ces esprits de prostrer qui se sont ligués contre toi. Oui, au nom de Jésus, tu t'es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton service, je libère ton emploi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ta fécondité. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit dans la parole, même la stérile enfantera cette fois. Dieu t'a créé pour dominer, pas pour que l'esprit te domine. Tu as été créé pour dominer. Alors je commande que ton promesse soit libérée. Je libère ton succès. Je libère ta bénédiction. J'ordonne maintenant que tous ceux qui sont assis sur le trône de ta vie, je les détrône dans le nom de Jésus. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Je la remets. Écoute-moi. Il a failli que Saül meure pour que ta vie prenne le trône d'Israël. Il y a des personnes qui ont besoin de tomber. Et pendant que je parle, dans ton service, dans ta maison, même dans ton village, tous ceux, les sorciers, dans le marché, partout autour de toi, les sorciers qui sont liés contre toi, je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Écoute-moi, c'est une parole prophétique. Saisis-la par la foi. Je déchaîne le trône de ta vie. Il y a un autre champ de ma parole. Je te sauve, je te trône, je te scelle le trône de ta vie. Le trône de ta fécondité, de ton mariage. Au nom de Jésus, de ton succès, au nom de Jésus, de ton foyer, saisis et assois-toi. Je t'intronise maintenant, en qualité de prophète de l'Éternel que je suis. Je t'intronise, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit rester dans ta famille, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Pas une autre personne, c'est toi. Je te déclare ceci, c'est toi. Que l'Éternel, ton Dieu, qu'on appelle Yeshua El Machia. Alléluia. Yeshua El Machia, qui l'a choisi pour régner sur ta maison, pour régner dans ce travail, pour régner, c'est toi. Toi, toi, toi. Amen. Gloire à toi, Jésus. La demande du public. Je suis pratiquement au quatrième album. Les gens voulaient forcément un CD, de prière. Est-ce que vous voulez? Je ne suis pas étonné quand la sœur est tombée sous l'onction. C'est un CD auctionné, amen. Donc j'aurais besoin de ça, c'est une prière de 5 minutes et de 8 minutes. 8 minutes. Qui sera disponible à la maison de distribution à partir du mercredi. Voilà, donc vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça dans vos voitures. Vous aurez besoin de ça dans vos salons. Vous aurez besoin de ça un peu partout. Parce que c'est une parole forte. Il détruit la présence du diable. Le diable doit le chasser. Lorsqu'il est devenu rebelle dans le ciel, il a été bien sur la terre. Il doit vraiment le mettre de votre maison. Il doit vraiment le mettre de ton destin. C'est pas lui qui a décidé de ton sort. Lui seul, il doit le mettre. C'est pour ça qu'il est Seigneur. Il doit être Seigneur de ta vie. Il doit le mettre de ta destinée. C'est moi le Seigneur. Amen. On dit amen. Amen. Donc il est forcément avoir ce CD. L'occasion peut-être après la rencontre, d'écouter encore, d'écouter. Mais c'est un moment de méditation. Je suis en train de préparer encore des CD d'enseignement. Et pour ça, amen. Parce que ça demande du public. Je ne peux pas juste chanter seulement. Et j'enseigne. Voilà. Amen. Ben que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Je vais être là très tôt. J'ai un problème de vécu. Voilà, c'est un problème de vécu. Il fallait courir de gauche à droite. On a C'est pour ça que je suis venu en taxi. Je vous ai dit, actuellement j'ai un petit souci. Mais comme je vous aime. Voilà, comme je vous aime. Je veux pas qu'on vous mange. Amen. Amen. Je ne veux pas qu'on te mange, d'accord? Amen. Voilà.
voilà, c'est pour ça que je suis là. J'aime tout le monde. Même celui qui a l'esprit de la sorcellerie. Ah, non, non, moi, je n'aime pas l'esprit sorcellerie. J'aime celui. Voilà, parce que c'est un esprit. Nous l'avons démontré à plus de ici. Amen. Nous chassons les démons parce que les démons sont faits pour chasser. Amen. Il y a une petite fille qui a été délivrée de la sorcellerie. Quand elle a été délivrée, elle a eu son aide d'entrée en 6e. Elle est chez moi dans ses vacances. Et quand elle est rentrée, je montre qu'elle a toutes ses fournitures. Elle est encouragée. Parce que l'enfant a droit à l'éducation. Voilà. Elle a été délivrée. Elle a dit des choses graves. Elle était la base du blocage du bac de sa soeur. Aujourd'hui, elle a été délivrée. Elle est son entrée en 6e. Pour l'aider. Je l'envoie chez moi pour faire ses vacances. Je sors de la suivre aussi. Et quand il sera à la rentrée, je vais l'envoyer en famille. Et en payant tous ses fournitures. Il faut aider les gens. Il faut avoir la compassion des âmes. Il faut aider les gens. C'est ça. L'église est faite pour aider. L'église ne va pas condamner. Vous péchez, vous êtes pécheurs, c'est fini. Les sorciers, c'est fini. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit non, mon papa est sorcier, il faut lui dire bonjour. Si un pasteur lui dit ça, on lui dit qu'on n'est pas la parole de Dieu. Amen. Entre toi et Jésus, mon Dieu le sorcier, qui doit me faire condamner? Alléluia. Hein? Mais c'est le sorcier. Parce que toi tu as Jésus. La Bible dit que ne vous parlez pas sans mal écouter, mais aussi amène la parole de Dieu en pratique. Pour la pratiquer la parole de Dieu. Lui est sorcier. De toi, lui dit, va après toi, tu vas. Voilà le mot de salut. Si la salle comme tes choux bouillants, vous allez te dire ton. Amen. Amen. Parce que ne combat pas Dieu. Dieu est en toi. Et la Bible déclare que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi. Moi je vous encourage, même si vous êtes parents sorciers, envoyez-le en les délivrer. Envoyez-le en les délivrer. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est une doctrine humaine. S'il n'a pas donné lui le mal, ils vont bien le regarder avec Achete, Abodjamal, Agassi. Tu n'as pas donné ton frère à te demander. Toi, on a vu ça ici. Il me dit qu'il ne voulait pas condamner la maman. Il dit quand tu ne veux pas condamner ta maman. Nous allons manger. C'est pas la route à moi. Si c'est ça ici. Mais il y a même ces gars, on va être manger. Tchot et grave. Oh non, non, non. On dit pas. Ils ont bien mangé. Oh, vous dites à l'heure. Allô. N'est-ce pas là? Il est. Là-bas, chez moi, chez un. Il m'a dit, bon. Amen. Non, il sait qu'il est dit, bien, c'est pas bon sorti. C'est comme chien qui vient bien, qui dit non, toi la mèche le bébé. Il est malade, chien. Voilà. Voilà. Chien qui vit bien, il mange pas. C'est qui le malade? Chien qui vient. Tu vas lui dire à chien, faut garder ma viande. Il n'y a pas bougé sa fille. Il n'a pas bougé, c'est volé, elle vient de là. Lui dit ça, c'est comme ça. Il n'est pas venu. Faut garder mon frère, il va manger ça. Lui, c'est pas gardé. Amen. Donc, si c'est pas gardé, donc. Vous gardez, on vous parle de son billet pour lui. Non, c'est mon frère, vous le gardez. Ma mère, vous m'accueillez. J'ai dit au revoir la diamante. Il a dit, je l'avais dit. Amen. Un placali, sort par là. On dit, ben, ça vous parle. Les soins par là, ça passe vite, 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 vite. Donc, on vous aime tous. Vous faites même assis, ça nous aimons tous. Ah ouais, ils vont vous là. Nous allons vous délivrer. Vous allez reprendre le chemin de l'école. Vous allez reprendre vos familles. Et ça, c'est important. On ne peut pas vous dénigrer, on ne peut pas vous blâmer. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Comme c'est une méthode. C'est une méthode. C'est comme piqué. Et bien, là, pour qu'on puisse faire mal, les mains faire son pic. Au calme. Ah, d'accord, mais ton père, il fait. Ton père, non. Il pique. Non, tu vois. Tu ça fait mal. Amen. Quand tu vois ton tête, ça ne t'en pas. Mais si tu ne pas, ne pas. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, crier cet été. Donc, pardon. Mais donc, c'est ma fête. C'est pas bien. Donc, ici, c'est une méthode. Mais il faut parler. Il n'en a pas. Tes parents, ils voient que tu as parlé. Tu vois là. Amen. Eux-mêmes voient que tu as dit. Oui, ils vont voyer. Ils voient qu'ils t'ont prêté seulement. Donc, pourquoi ils sont là? Amen. Donc pour nous, ça marche. Non, mais pourquoi les mettre devant tout le monde? On les met devant, ça plus ça marche. Donc toi, ton problème, c'est quoi? Bon, on est là. Si, non, c'est bon. Comment on fait, c'est bon. Amen. C'est notre méthode. C'est un endroit ici.
Dans, au monde d'ailleurs, je n'ai pas le temps de suivre beaucoup de choses. Et il y a vraiment sur l'endroit au monde où le sorcier devient champion. C'est-à-dire le sorcier délivré, bien sûr. On te dit, il est champion. On va écouter. Nous aidons les sorciers, les insorciers. À cet écrit au sein de la famille. Non, nous menons des démarches. Si nous menons des démarches, nous allons prendre la famille. Dites-nous, acceptez-le, tout ça. On ne devrait pas. On fait le fort pour les aider. Ils sont possédés. Retenez-vous. Il faut les délivrer. Donc vous serez délivrés. Dis amen. Si on peut s'asseoir, amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas une. Ça dit quelqu'un pour dire que Dieu te bénisse. C'est important de saluer. Est-ce qu'il t'a salué? Je n'ai pas vu. Il n'y a pas de. Ah, mais c'est bon. Amen. La présence de Dieu fait du bien. Dis amen. C'est pour ça que David dit, non, David, on désire le plus ardent, on est épousé, sa vie dans la présence, on peut l'abandonner. Tout ce qu'il désire, c'est les amis, toute sa vie, dans la présence de Dieu. Parce qu'elle fait du bien. En effet, non, c'est dans la présence de Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu, tu prends soin de te délivrer, de t'exaucer. Amen. Personne sont sentis que Dieu les a visités depuis et ça le moment ici. Avant de prier, on continue d'accord. Dieu les a visités. D'accord, d'accord. Amen. À quel âge est-ce que vous avez senti que Dieu vous a visité? Après l'accord, il y a un gars. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Moi, je crois. À la guérison divine. Moi, vous voyez, j'étais condamné à la mort. Je vomissais le sang. Et il y avait des douleurs dans mes poumons. Et pour faire toutes sortes d'examens, je ne voyais rien. Blanc même regarde, je ne vois rien. Tu quel appareil va voir ça? J'ai vomi sans ça, ça peut remplir son. Je t'aime un gros là, mais vous êtes comme vous. Quand j'apprends le métro, là, quand je suis en public, quand il commence à parler, quand il pousse le sang, tout le monde fuit. Un cas, il y a quand même un corps là. Je vous tiens plutôt. Oui, Jésus m'a dit. Amen. Donc moi, je crois à la guérison. Je crois. Amen. Mes sorciers ont été tous déracés. Je suis issu d'une famille musulmane, tu m'as dit. Amen. On a dit que c'est quoi Islam? Arraché Islam. Oh, le Canada, là, non. Tu connais Jésus, tout ça? Ils ont connu Jésus. J'ai dit, moi, je ne pouvais jamais imaginer, même en rêve. Une vie, vous voulez dire qu'il n'y a plus de gens à être homme de Dieu. Il y a bien des gens qui non. Il y a un bout de vous. Non. Il y a un bout de vous. Vous avez ça dans vos têtes. Mais là, dans vos têtes. C'est pour ça que la Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est une grâce de connaître Jésus. Amen. Si tu l'as connu, il t'a fait cette grâce. On ne l'aime pas. De le connaître. Derrière ça, il y a délivrance. Il y a guérison. Sous les acquis de la croix. Il n'a pas que son nom sauvé qu'on a. Il y a encore pour. Il a pourvu à tout. Moi, je vous ai besoin. La spirituelle, matérielle, financière, tout. Les verbes, ils vont ouvrir. Amen. C'est pour ça que la foi, elle dit tout est accompli. Tout est accompli. Ils vont ouvrir. Amen. Vous avez le témoignage, il dit quelqu'un a perdu tous ses papiers. Oh non, il cherchait jusqu'à un pas. Quand j'ai prié pour lui, il ne m'a pas regardé sur ton lit. Non, 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 s'il vous plaît. Il regarde ses papiers. On va les copier. Comme c'est moi qui avais mis. Je lui ai dit, j'envoyais un ange, j'envoyais tes papiers. Amen. J'ai commencé un ange, j'envoyais tes papiers. Quand Paul était en prison, Pierre, Dieu a commandé dans l'acte des apôtres à un ange d'aller le délivrer. Amen. J'ai dit aux gens, vous enseignez, c'est vrai que la démologie, tous ceux qui ont étudié l'école biblique, oui, il y a aussi l'angéologie. On n'entend pas un ange. On n'entend pas des anges.
Mais les anges font vos services. Celui qui adore l'ange le vaincu. Mon côté moi est zéro. Donc moi je suis Michel Saint Gabriel, qui est zéro. Saint Gabriel, Saint Michel. Ils sont à vos services. Amen. Amen. Faut pas vous aller vous prosterner devant un ange l'adoré. Non. Amen. Non. Au contraire, l'ange même te respecte. Moi je. Il sait que tu es là pour service. Oh, il demeure. C'est ce que la Bible dit. Oh, ben, l'ange de l'éternel quand. Pendant que tu dors, lui te suivait. Moi, je peux pas. Il est ton gardien vigile. Oh, pas de lui. Moi, pas de lui. C'est ton gardien. Non, il y a des poumons, pas de lui. Vous pouvez venir adorer gardien. Pourquoi venir avec moi, il est à côté. Il est quoi? Celui qui vous m'apporte, il descend de voiture. Moi, pas de lui. C'est quoi, il y a un monde. Mami, viens, tu me salues. Tu as mangé, Dieu t'a délivré aujourd'hui. Il y a la calombo, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je veux que tout à l'heure, elle est allée ta foi. C'est ta soeur? Ta mère. Amen. Et oui. Oh, on acclame Jésus. Vous voyez, il a dit tout à l'heure, frère et sa fille, on peut acclamer du bien. Eh bien, amen. J'ai compris que la fille, son cœur est désarmé. Amen. Et son esprit est désarmé. Amen. Quand le cœur est désarmé, l'esprit bouche est désarmé aussi. Bon, il faut que tu le dis. Et quand le cœur est chargé, tête est chargée, je lui mets dans son quête. Ah, il est où? Bah, ça suit. C'est intéressant, amen. C'est maintenant que tu retrouves ta vraie maman. Les gars, ils ont dit de manger ta. Le roi, il a encore les gants. Oh, dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je crois ça, bon, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Ça fait du bien. Amen. Voilà, petite là. Non. Salut camarade. Hé, l'association des sorcières. Fédération des sorcières délivrées. Vous avez les sorciers, voyez là. Quels sont des livrés? Approchez-les, vous les livrer. Vous avez des livrés? Vous savez, moi je travaille avec eux après, je les écoute. Il y a des questions, je pose. J'ai toutes les informations. Amen. Vous savez, quand les gens prennent les terroristes, les Américains, les Américains, comment fabriquer les bombes? Quel pays vous devez attaquer encore? Quoi, donc ils ont pas eu la raison. C'est un conseil des gens maintenant qui prépare les contre-attaques. Ni quand ils viennent faire au sein. Dans les sorciers, vous voyez là, ils sont délivrés. Ceux qui ont été intégrés, c'est les sorciers. Moi, je suis bien, mais je comprenez, ma qui est fermée, tu sais pas pourquoi. Lui, c'est. Être le bon, je sais pas, tu le fous. Toi, tu dors, tu vois, mouche. Hé, ma qui marche pas. Est-ce qu'on est dans l'enfer? Oui, il y a un chien. Donc, ils maîtrisent. Donc, il y a des choses qu'ils maîtrisent. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que oui. Il est vraiment important pour nous de pardonner. Oui, non, non, ça. Le christianisme, le pardon, c'est basé sur le pardon. C'est ça l'amour agapé. En grec, il y a trois formes d'amour. Amen. Amen. Il y a l'amour eros. Eros, l'amour des aliments. Il y a l'amour filial. Et l'amour agapé. Agapé. Et l'amour sans intérêt. L'amour que Jésus a manifesté. Jésus m'a dit pardonnez-les quand ils savent ce qu'ils font. J'ai dit non, attends-moi. Donc l'église, c'est le symbole du pardon. Amen. Ça fait pas moins mal, mais on pardonne. Et quand il est venu, amen. Donc Christ a pardonné. C'est pour ça que la prière, la prière la béatitude. Il dit pardon les torches, pardon nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés. Je vois ma vie. Pardon nos offenses. Donc nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Il a de moi. Amen. Il faut pardonner à celui qui t'a offensé. Il a un tel. Je suis allé aujourd'hui. C'est ça le christianisme. Il faut qu'il y ait une différence entre toi. Et la mère, ils ne pardonnent pas, ils n'ont pas la raison de. Moi, je. Toi qui as le Saint-Esprit, tu as la capacité et la de pardonner. Et toi. Parce que Christ vit en toi. Christ vit en moi. Parce que l'apôtre Paul vous a dit, mais pour Christ, en nous, c'est l'inspirant de la gloire. La Christ vit en toi. Et à ton nom, soyez, mais c'est un pardon à vous.
Quand tu imites Jésus. Il est bien gommé. Vous savez, il imite Jésus. Oh, oui, je il doit être caractérisé par le oh, pardon. Pourquoi il n'a pas répondu par répondre? Quel est c'est pas le pardon. Il est ok. J'attends que lui n'ait pas fait comme ça. Oui, oui, oui. Il a dit ce que Jésus a fait à Judas. Ben, je dis, amen. Malgré la méchanceté de Judas. Oh, oui, Jésus oui. Va donner un baiser à Judas. On a mon bouclier. Et il est mort après ça là. Ça va combattre. Et puis on est dans le bouclier. Il n'a pas compris sur Judas. On a mon position. Oui, quand même, le cœur. Amen. Amen. Quand Judas a vu la pleurer. Oui, j'ai vu oui, Jean. Comprenez. Amen. Amen. C'est ça. Mais écoute, si vous attendez les choses, c'est sur nos méthodes. On vous permet de t'entendre. Parce que vous les blâmez demain. Non. Parce qu'ils ont besoin d'être. Et la seule chose, c'est de parler. Vous savez que le sorcier, il ne meurt pas avec la sorcellerie. Vous avez un homme beaucoup de pieds. Il a dit avant de mourir, parle d'abord. On peut vous encore. Il meurt. Donc, parlez là. Ça dérive le sorcier. Et pourquoi? Parce que chez eux, dans leur confrérie, on ne dit pas ce qu'on fait. Non. On parle pas de ça. Gardez comme un secret. Et quand tu parles de ça, c'est des menaces. Et tu as dévoilé le secret. Et là, tu peux te tuer pour ça. Il y a ce qu'on appelle la maladie. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies mystiques. On appelle les maladies mystiques. Jésus seul. Il n'est pas le monde spirituel, Jésus seul. Parce que c'est lui la guérison. Moi, il est plus seul. Moi, qui ai été délivré. Moi, j'ai été délivré. Amen, je vous ai conté mon histoire. Je vais à l'église. Et d'ailleurs, vous non, tu vas aller au ciel. Il passe. Il va aller au ciel ici. Vous avez réussi avant de me manger. Vous avez bien. Voilà. Maintenant, si Jésus me guérit, il y a le ciel. J'ai dit qu'il y a le ciel. Je suis fait là et là et là là. Si Jésus veut me guérir, la femme me guérit. On parle de quoi ça va. Le ciel, là, ça n'intéresse pas. Non, mais je ne connais pas la Bible. Et il a dit que je dis. Il dit au camarade au paradis, pas la femme de la femme. Parce que j'ai pris une assidue jusqu'à. Et il n'a pas vraiment assidue qui est fait. Pris une assidue. Et non, il n'y a rien. Chaque mois, il prend une assidue, tout le monde doit boire. Tous les jours, il y a pas d'assiduité. Tous les crié dans la maison, tout le monde. On pleure, parce que la semaine là, ils vont réveiller Nasigi. Tu as rassasié Nasigi matin, et moi, tu dors un peu. Parce que vous arrivez la nuit, pourquoi Nasigi? Pourquoi Nasigi? Vous sorcellerie. Non, mes enfants, vous ne comprenez pas. Mais ce qui j'en ai fait là, c'est vous protéger. Mais il a combattu. Ils ont étudié. Bien matin, ils ont pris dans la douche, ils ont lutté. Mais chez toi, tu devant tes enfants de Dieu. Moi, ça m'a marqué à vie. Mon papa crie en mettant. On est en train de tuer. Quand on regarde mon cadavre, on est le. Et à la soeur restée dans son père, jusqu'à ce qu'on fait. Par curiosité, mon père a fait 2 mois là-bas pour aller voir. Question. Et c'est là que j'ai cru à la sorcellerie. Depuis ce jour-là, j'ai cru. Parce qu'il parlait de ça. Ça ne faisait rien. C'est le jour des morts. Il y a un concours de vivre la sorcellerie. Crime spirituel existe. Le gars est sans trace. On est l'ancien sort. On te lance le sort. C'est ça que la définition de la sorcellerie, même c'est le lanceur de sort. Sorcellerie. Quand on me demande souvent les questions, les dettes, est-ce qu'il y a bon sorcier? Mais ça n'existe pas. C'est quand tu te dis, il y a bon démon. J'étais avec mes chargés de communication, sur Internet. Dans Internet, vous voyez là, il y a trop de choses. Il y a un monsieur qui me fait demander à lui les valises. On a déjà. Il me demande si moi il fait magie. Il dit, mais ça veut dire quoi là? Maintenant, il me pose la question. Que lui a cherché les anges. Les gens n'ont pas répondu, non, ils cherchent les démons. Il a dit pardon, le médecin n'a pas le traîné. Mais il peut chercher du nom vieux. Oui, c'est vrai. Le voisin il a dit, de lui montrer, il dit moi. Il dit, je ne peux pas passer tes réponses, il a fait conférer. Il faut l'enlever parmi mes amis. Tu as dit à des démons de venir. Elle était venue. Il a dit, c'est moi qui t'ai montré comment. Moi, il est chat. C'est la même. Moi, il est le combat. Il n'a pas trouvé. Et moi, il t'a montré le chemin. Il n'a pas la table. Toi, il est. Tu t'es trompé de pas, de quelques personnes. En dedans.
Amen. Comment quelqu'un va lui-même décider d'aller dire bon, bien, dis bon, bien. Quand il va aller voir, tu vas y aller. Viens chez moi. Il va venir bien. Aïe. C'est ce qu'il va te montrer. Maintenant, amen. Quand on appelle les démolisseurs et les fruits. Aïe, à terme. Oui, amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secours dans le fétichisme. Oui. Il n'y a pas de secours dans le maraboutage. Il va faire semblant de protection. Voici, il n'y a rien. La seule protection. Sans Jésus. Jésus-moi. Amen. Amen. Il y a une soeur, je dis, mais il y a quoi dans ton bac? Ton mari se bat. C'est pour ton mari, il n'est pas marié. Elle dit, on a lui a donné à l'église, que c'est une alliance avec Jésus. Mais, bac, alliance avec Jésus, là, c'est manqué. Pour aller avec vous. Jésus-Christ, il n'a pas dit, mais non. 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 Pour aller avec vous. Amen. Quand quelqu'un voit un bac à son doigt, il a dit, maintenant, il n'a pas dit, avant qu'il soit voyou pour chercher, on. Amen. Alléluia. Évitez ça. Quand vous mettez les bases au toit, vous prédisez, de tout ça, avant que ça soit un bijou de décoration. Mais même un bijou pour dire ça a lien, il n'y a rien à ça. Partagez quelque chose, il n'y a rien à ça. Amen. Il faut représenter quelque chose, il n'y a rien de ça. Et quand même, c'est un peu comme un et dernier coup. Amen. Donc, c'est vrai que l'image de Jésus. Ah ouais, mais Jésus-Christ, moi, il n'est pas ça chez moi. Boto, moi, il est là. Vous avez pas vu Jésus. Allez, Jésus. Moi, il est vu. Il est où? Moi, Dieu m'appelle la grâce. Il est venu avec quoi? Je vois Jésus. Il est où? Je l'ai vu plusieurs fois. Il est où? Mais jamais j'ai vu son image. Il est où? C'est lui, il est quoi là? C'est ça la photo. Oh, pour mon nom. C'est trois fois. Tu as fait ce qu'on voit. Amen. Pour le fixer, même, c'est difficile. T'as l'impression de voir, c'est pour le fixer. La gloire, le regard, la joie qui inonde ton cœur. Même quoi. Tu pleures de joie. Oui, mais non, mais. Moi, je peux pas aller représenter Jésus. Il a même bien pour les enfants à la c'est pas mon camarade. Non, il est bon. Il faut vous prendre les panneaux, les tuiles. Là, après, c'est Jésus, puis tu le mets là. C'est Jésus, hein, qui t'a dit là? Jésus, il a vu, vous prenez la photo. Viens, toi, tu mets devant sa photo de Jésus. Jésus, merci, Jésus, bonjour. Moi, qui m'aime, tu as la copie, je dis où, quand même. Après, l'idolâtrie. Voilà, il y a un son. Venez-moi, Jésus, merci. Moi, je vais même mettre les petits brillants, brillants. Quand il parle, on ferme les yeux. Jésus qui ouvre, qui parle. Vous êtes combien à avoir une finance? Moi, il n'y a pas de l'or. On crie, on voit les yeux, les yeux, les yeux, les contagés. C'est bon, on va voir. Il est Jésus. Jésus fait une course. On crie, on est bien beau, c'est bon. Vous n'avez rien ça. Vous n'avez plus les plus bons. Quel est-ce qu'on a fait faire? Moi, Jésus ferme les yeux. Jésus m'a fait fâché. Il n'y a pas la beauté, la cour. Il est fâché. Il est fâché. C'est quoi tout ça? Il est un petit design. Il est ça. Bon, vous dites, c'est Jésus. Okay, il est là, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que l'on vous enseigne, ne soyez pas dans les choses humaines. Alors, comprenez les humains. Si vous avez dit la vie, c'est pas bon. Il est là, il est là. Amen. Est-ce qu'il y a deux gens? Mais après, non. Vous avez quand vous lisez la vie? Ah, la vie, vous n'avez pas vu mon livre, vous pouvez chapeler. Vous êtes dans la Bible. Vous êtes dans la Bible. Donnez-moi verset. Ah, il n'y a plus rien. Et il est. Non, tout ce qui n'est pas biblique, il n'y a plus rien. Ne vous attachez pas. Ah non, non, non. J'ai vu une femme comme Dieu. Il est venu la recevoir. Oui, non, non. Il est venu écouter mes chapelets d'abord à Paris. Oh, non, quand même, j'ai fait le téléphone. Pour qu'elle est là. Pour qu'il y ait un. La raison. Quand on est chapelé avant de parler, je ne suis pas en train de blâmer une église, non. Non, c'est si, mais on me dit, mais il a dit c'est faux, dis-moi que c'est faux. Amen, oui, amen. Donnez-moi verser dans la Bible, on a dit qu'on est chapelé. Il n'y a plus une fois, mais plus le même. La Bible dit qu'il ne faut pas retrancher puis ajouter. Oh, la Bible dit qu'on est chapelé. Il ne faut pas retrancher la parole puis ajouter. La Bible dit qu'on est chapelé. Montrez-moi dans la Bible. Bon, c'est vrai que les bouddhistes sont chapelés. Alors vous dites en camion. Les bouddhis sont chapelés. Vous dites en camion. Les francs-maçons chapelés. Bravo, là, qu'un chapelé va t'aider. Non, frère, mais non, frère, on dit pareil pour exploiter un chapelé. Non, non. Quand il y a un chapelé, il y a un chapelé. Quoi, les cons? Et il vient au monde, un chapelé.
Oui, je vous. Donc, non, ils sont nés avec. C'est pour eux, ça. Donc, on même c'est pour eux, les propriétaires de ça. Amen. Et ton lien avec. Moi, je suis allé. Mais maintenant, si tu n'es pas bébé, pourquoi tu fais ça? Devait être des 10 dollars. Et là, Dieu vient soit pour vous. Amen. Dieu n'est pas dans tout ça. D'accord, il est vous dit la vérité. Il n'est pas dans tout ça. D'accord, il est vous. Vous les cherchez. Abaddon. Mal. Abaddon. Vous les représentez, vous les cherchez dans les objets. Abaddon, dans le Dieu est esprit. Amen. D'accord, le Hugo. Il est esprit. Oh, quoi le Hugo, vous les cherchez en esprit, la vie en esprit. Et après, vous gommez. Le noir, on dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Dieu est dans ton cœur. Oh, si tu acceptes Jésus-Christ, il vient de te dire. Il vient de te donner désormais le temps du Saint-Esprit. Tu crois à la puissance de Jésus-Christ? Amen. Amen. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Ne jouez pas avec. Alléluia. Quand je vois les photos, on dit que Jésus. Et quand Jésus-Christ, les photos, rien. Et que moi, Dieu m'a fait la grâce. La venue n'est pas. Moi, pécheur. Amen. Il m'a fait la grâce. On n'y est pas. Merveilleux. Évidemment. Les dimensions dans lesquelles je suis rentré avec Dieu. Et qu'après, il y a une langue. C'est trop intéressant. Merveilleusement. Amen. Le monde spirituel, c'est une réalité. Quand je vois Jésus. Et Jésus. Il m'a arrosé avec de lui. L'homme il m'a consacré. On se voit là quand même. Fini la vision. Il je pense que c'est rêve. Il voyait là où je me réveille. Tout mon corps est trempé de Dieu. Non, vous voyez, je touche le matin à celui. Je touche celui. Et quand en 98. Il faut appuyer sur l'interrupteur. Il m'a dit que je vais une lumière sortie du plafond comme une torche. Il m'a dit que je la blague. Il m'a changé de mission. Et quand il m'a j'ai vu Dieu. Il est là, oui. Regarde. Il n'a pas la main du monde. Oh, il est mort, amen. C'est pas la même chose. Allez, oui. C'est ça que vous dites qu'il est vivant. Oui, oh, il y a un c'est une vérité. Il est mort. C'est ça qu'il dit aux gens. Il y a un si les moyens pas. Vous voyez, je ne suis pas levé matin. Il est pour vous, Jésus. Ah, ceci. Vous voyez, il est à travers ceci. Ceci, on va changer cette mission. Oui, amen, oui. Amen. Les anges sont une réalité. Plusieurs fois. Dieu m'a fait moi les anges. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il est en train de trouver les anges. Il est en train de trouver les anges. Il est en train de trouver les anges. Les anges sont une réalité. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Il va aller trop loin maintenant parce qu'il y a des choses qu'il ne doit pas partager. Et là, c'est un secret entre moi et Dieu. Il en a combien avec vous? Les secrets entre moi et Dieu, il ne partage pas à tout le monde. Il en a combien avec vous? Il n'a pas les dit. Amen. Dans le monde, les anges sont une réalité. Il y a des jours où il y a des apparitions dans le chemin. Et là, je les vois comme je te vois. Et il y a des gens qui sont avec vous. Je parle avec eux. Et là, je les au moins, je vais me rendre compte qu'il est là peut-être 5 heures, 6 heures du temps. Et les personnes n'ont rien de faire 5 minutes. Dis-yo, et dis. J'ai l'impression qu'on a fait 5 minutes. Il y a un moment de bruit. Tu sens pas le temps. Il y a un moment de bruit. C'est intéressant. Il y en a des paroles, il y a des petites paroles. Mais c'est bien, c'est que quand tu as commencé à 8h, 5h, c'est tellement merveilleux. Il est maintenant qu'il y a un moment de bruit. Il y a un moment de bruit. Entrer dans cette dimension avec lui. C'est comme mais, il y a un petit bruit dans le canon. Parce qu'il y a des choses qu'il veut m'enseigner. Il y a des choses qu'il veut m'apprendre. Quand je pose des questions, quand je pose des questions, quand je pose des difficultés, quand il se révèle à moi, pour ramener, pour renouveler son alliance, pour dire voici ce que je t'ai dit. Il y a des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il a une âge de fortifier. Il a un qui n'a pas peur. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Mais comment je ne suis plus comme vous. Il n'a rien. Non. Il a dit aux gens, Dieu ne fait pas de toi traité, père du Père d'Esprit. Oh non, mon Dieu, c'est un chaud exemple, mais c'est ça. Et quel est encore même amen. Alléluia. Amen.
entrez dans les dimensions avec Dieu. Ne soyez pas limité. Entrez dans l'intimité de Dieu. Amen. Jésus a appelé ses d'abord, il a dit ici. Après, il a dit quoi? Merci. D'abord, il a dit quoi? Un disciple, c'est qui? Celui qui suit l'enseignement des maîtres. Il y a une discipline. Frère, oui. Parce qu'il a dit. Okay. Vous dites que ma mère, mes frères sont dehors. Alors, voici ici. Et tu es alors. Donc, il a dit, vous avez vu, frère, mes amis. Mais non, les trois états. Soyez l'ami de Jésus. Jésus qui rentre dans l'intimité. Obligé, on est dans l'intimité. Un ami peut rentrer dans ta chambre. Lui fait confiance. Lui fait confiance, il rentre dans ta chambre. Il a besoin de voir les choses, les caches. Mais je dis, ne confie pas, il va te révéler ça. Ne vous limitez pas au stade d'ici. Ne vous limitez pas au stade fraîche. Vous devenez ami de Jésus. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu Pierre. Attends. Et qui encore? Jacques. Tu as vu la transfiguration. Moi, il a appelé Jésus. Quand Pierre nous a dit non, Jésus. C'est qui il vient de voir là? Jésus a venu de hier. En fait, la chambre maison. Maintenant, il y a quand même deux. On ne bouge plus. Ah, c'est comme il nous a dit. Une maison pour toi. Nancy. Pour qui? Élie. Élie quoi? Là, on a. Moïse. Moïse. Non, je suis pas la vie là. Ah, il y a des matériels. J'étais avec les zéros. Ah, pardon. Les aménagés, c'est la personne. Mais on dit après. Oui, c'est l'homme, tu connais. On connaît. Il a dit. L'homme, quand il dit, pour pas dire. Il a pas un nom. Un bien en bas. Bouche. Né. Quand il dit, il parle pas. Il y a un bas, on pardon. Il faut qu'il y ait un problème à ça. Oui, oui, oui. Amen. Amen. On dit, il y a un noir. Oui, pourquoi non? Il dit, Dieu ne comprend pas Dieu. Dieu a donné richesse aux blancs. Oh, bien. Non, non, c'est si lui, l'argent, il devient riche. Oh, peut-être. Il va respecter bon Dieu. On est dans le gozo. Pourquoi bon Dieu, c'est aux blancs, ils ont richesse. Il aime le bien. Mais le bien, il est bien. Et puis d'ailleurs, même Adam, même là. Là, Adam. Donc, c'est Adam qui a fait. Comme il était blanc. Oh, tu connais. C'est ce que les gens disent. Mais il était pas blanc. Donc, Adam est mauvais. Là, là, on y met. C'est lui qui a fait. Moi, toute la journée, il insulte Adam. Il va combien d'Adam? Adam, t'es mauvais. Il est pas comment? Adam, t'es mauvais. Il est pas comment? Il y a un Dieu envoyé un ange. Il est d'accord. Dieu a dit, monsieur. Encore. Jacques, ça va? Jacques, t'es où? Il vient de la parole de Dieu. Et il dit à Dieu. On vient de Rome. Ce qu'il a fait là. Adam, c'est pas bon. Il n'a rien. Moi, je suis pas comme Adam. Il dit, Dieu m'a envoyé. Il a rendu riche. Il te rend riche. Il a commencé à sourire. Aussi, le bon. Dès qu'il ouvre ses yeux, okay. Il est dans un palais. On va donc vous parler là, tout dedans. C'est pas quoi? Servant, l'esprit. Ses enfants sont habillés lui-même là-dedans. Il sourit. Ok, d'accord. Oui, la main, c'est quoi? Et puis, bon Dieu, là, je dis bien. Il y a une puberté, il y a une soupière. Bon Dieu dit, ne coupe pas ça. Amen. Amen. Il a appelé ses enfants, oh, oui. Sa femme. Il dit que tu veux ce guerre. Oh, mais vous ne pas couvrir. Il dit, je jure. On entend un temps. Moi. Amen. Jamais. Il dit, le jour du monde, tu deviens pauvre. Il dit, tu es gagné. C'est mon confiance. Je suis pas comme Adam. Il n'a pas. Non. Amen. Moi comme Adam. Amen. Adam. Lui-même, la paix, c'est face à face. Oh non, non. Il a compris ce que bon Dieu a dit. Ah non, 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 non. Ses enfants. On oh, dit. Un an, deux ans. Dix ans. Dit quoi? Lui qui passe, il va suivre l'assiette. Sa femme dit, hé. Hey. Il dit non, c'est à cause de la tour de poussière. Oh, l'assiette. Moi, on va pour mon temps, côté. La femme, elle pleure. Elle se met à genoux. Oh, pardon. Pour laisser poussière, c'est moi, bon. Je suis poussière. Et c'est moi. Son cœur. Son père de Némini ouvrit. Non, pour les parents, on a un caractère de Goyen. Qu'est-ce qu'il y a pas? Il y a quoi là? Donc, c'est là ton problème. Même quand on le suivant, il dit non, c'est poussé, il est sué. Alors, pour lui, pardon. Pardon.
Lui, il t'en parle à l'écarte. Oh, l'homme. Il réfléchit, mais il mange bien. Et tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'or, tu as tout. Mais tu es celui-ci, celui qui mange, il ne dort pas bien. Après les soupirs, il est renversé. Comme le disait, hein? C'est à qui pour le soupir renversé? C'est pas ton problème. Mais moi, il y a plus de d'argent. Ton seul souci, c'est le soupir qui est renversé. Il va. C'est pas lui le pauvreté. On va aller. Il dit bon dîner, dit quoi? Non, non, non. Pas rien. J'avais rien. La seule chose, c'était de respecter. Maintenant, il grâce à tête. Quand j'ai venu, il dit, mais. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il dit, non, lui. Ah, non. Il dit, vraiment, moi, c'est qui en bas? Bon, le gars, il est venu pour. Il est venu pour. Ok, il est venu. L'homme, vous voyez là. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Amen. Jésus. Non, quand tu nous restes comme ça, l'homme, il ne voit rien. Tu n'as plus de soucis, tu as pas les arrêts dans ton temps. Mais tu piques tes renversés là. Tu as plus de problèmes avec ça. Alors, il n'y a qu'à venir là. À cause de ça, tu ne dors pas. Toi, on va nous dire. Tu as migré. Tu réfléchis. Et vous pouvez me dire. Bon Dieu a fait. Tu peux renverser. Sa femme est mort, pardon. Tu dis, tu suis poussé. Tu m'as. Non, pas toi. Oh, il a dit, tout le monde est barré. C'est quand même la vie. Il m'a dit, vous voulez voir. On a gagné. Tu insultais Adam. Je veux Adam, non. Adam est lui-même là, c'est pas lui. On a mangé. Et puis on lui dit, si Adam n'a pas pris. Toi, tu voulais voir dans le lit Adam. Mon père, vous avez Adam. Allez, va. Pour rester. Bien. Amen. Et vous asseoir. Amen. Donc c'est ça. L'homme n'est pas où il y a loi. Pas les lois. Fille, non. Hé, mamie. Tiens, c'est. Ça ne va pas pour laisser. Là, il y a une mot. Accueillez. Ma bouche. Accueillez. Ha! Tu as fait des piques de l'homme de Dieu. Je vais voir. Allez. Hein? Oui, qui peut me. Tu fais des classes? Oui, je peux laisser. Ah, je vais mettre un diplôme. On y a des gens. On y a des gens. On va m'attendre un peu. Hein? Mais c'est un diplôme. On y a des gens. Mais c'est un diplôme d'envoyer un peu de ciel. Je vais venir, je vais voir. Que l'autre était. Une fois tu fais en français, après qui t'a fait. Quel t'as Dieu pensé. Il a mis la fin, la fin à la maison, ta main t'a fait. Donc réfléchissez. Amen. Oui, c'est important. Il est malin. Il dit Dieu là. C'est pas ça de la vie dans nos têtes. Hein? Amen. On avait la voix. Hein? Cerveau d'abord. C'est dans le cerveau et l'intelligence. On le même lui. C'est pour réfléchir. Amen. Si tu réfléchis, quand on t'a appelé père. Ne réfléchis pas. Savez-vous? Vous avez mon ton père à partir de son nom. C'est nous, on le débit. Donc, donc, il faut réfléchir. Amen. Tout ça, c'est important. Alléluia. Et les parents de Dieu vous bénissent. Vous êtes vainqueurs, dis amen. Vous êtes des champions, dis amen. Tout dépend de toi. Il manque du ce qui tu mets demain. Amen. La ferme. Dépend de toi. Et puis, il tout dépend de toi. Et pour moi. Tout dépend de toi. Moi, il y a quelqu'un, tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Le jour est il attaqué par la sorcellerie. Bien que tu ne connaissais pas Jésus, j'ai dit aux gens, je ne mourrai pas de cette mort. Et il y a là, on vous a fait. Mon papa est mort, j'ai vu les gens mourir, il s'est mis à mon niveau. Quand on m'a pris, et il va vous dire, moi. On m'a dit, va au Mali, va comme ça, il dit non. Non, moi, je n'ai pas mouru. Moi, j'ai tout fait, j'ai m'en sorti. Et vous connaissez la volonté. C'est ça, il y a le chemin de Dieu. Non, il y a la volonté. Et puis je prie, sur ce matin, merci. Vous avez un Dieu. Tout dépend de toi. Et bon, si tu penses que tu mourras dans cette maladie, la maladie te verra. C'est tout. Amen. Il faut changer de manière de voir.
ne sont pas comme celles d'Éden. La galère, on va venir de bénisse Abraham. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Tu peux les compter. Et quel serait ta descendance? Il n'avait pas un enfant. On a eu un enfant comme Ismaël. On a eu. Avant d'avoir, n'est-ce pas, Isaac. Amen. Donc tout dépend de toi. Tu vis à quoi dans ta tête? Alors les gars, vous voulez nous voir? Tu viens quoi? Il y a un jeu là. Avant qu'elle avait fait les sangs. Ouais, elle n'a pas demandé une audience à Jésus. On est là, j'ai dit qu'elle est là. On est battu. Elle est si seulement je pouvais toucher. On est gagné là, il y a un jeu. Toi, qu'est-ce qui est dans ta tête? Allez, le gouvernement, nous voilà. Tu espères en quoi? Il y a un jeu là. Si tu penses que tu vas mourir, c'est la mort qui va venir. Tu vas venir. Amen. Il y a des gens qui se réveillent matin, je vais mourir. À moi, je vous jure. Mais la mort est venue. Quand tu appelles, ça vient. Et bien. Amen. Oui, mon frère est mort. Je vais le vous. J'ai parti à lui. Maintenant, il va signer que je peux. Ouais, on va prendre un petit chien à bon. Allez, peur. Il est mort. On va dans ça. On va dans ça. On va dans ça. Combien ça s'est fait quand même si tu es retour? Ouais, ouais, avec un. Par exemple, je vous dis, nous sommes. Puis, nos parents mettaient nos pinaises. Vous savez, quoi, ils étaient quand même dans le milieu. Et tout, on va mettre un. Mais en fait, il est. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Il y a un choc qui doit plus sortir de ta tête. Oui, non. Non. Parce que la parole est une semence. Oui, le boulot. Et le semence, c'est mal là. Le boulot, il y a un boulot à parler. Tout dépend de toi. Il faut vous. Cet esprit est là. Vous le connaissez. Prêt à prendre ta parole, crée quelque chose dans ta vie. Ok, alors, on va le faire. Ne dis jamais que je vais mourir. Oui, il y a un fou. Ne dis jamais que je suis pauvre. Oui, il y a un fou. Non. Vois-toi. Comme guéri. Amen. J'étais bien que tu étais malade. Je vomissais du sang. J'étais compris. Je n'allais pas mourir de cette maladie. J'étais accompagné. J'étais convaincu. Je n'allais même pas mourir de cette maladie. Puis j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est quand quelque chose dans ton cœur. Tu crées des rencontres. Oui. Dieu ne peut pas créer de rencontre s'il y a rien en toi. Si tu es convaincu que tu auras un bon mari, ton mari maintenant. On est là. Amen. Amen. Tu es convaincu que tu auras un bon mari. Normalement, j'attends quand même. Bon, celui qui vient, non. Une personne, mon union. Dieu t'a créé les yeux. La bonne yi. Dieu, là, quand ça va, barrage, tu ne le savais pas. Yi, ok, ma compagnie. Non, je ne savais pas, tu mens. Et ni, il. C'est ce que vous avez dit, mais vous m'avez blagué. Mais c'est vrai, avant. Non, il n'y a pas de problème. Il y a des petits signes. Non, il y a un problème. Quand vous allez regarder les petits signes qui prouvent que nous. Mais je vois les. Oui, elle n'est pas bon, oui, elle n'est pas bon. Il va mourir, on est là où on est. On va t'attendre à faire avec ça. Mais il y a le délivré, le délivré. Lui, il a dit, le délivré. On va dire, il a dit, il y a. C'est le démon, il a dit, c'est le démon. Non, quand c'est là, il a été délivré. Après, moi, il a dit. Toi-même, tu penses que c'est lui-même qui te délivre. Et quand il y a un mot, tu changes les bagages. Moi, tu veux me délivrer. Amen. Les yeux. Yo. Ça, c'est important. Il est vraiment. Quand tu décides. Nous avons. De rentrer dans une autre dimension. Le capo, même lui. Ce qui ne compose pas ta vision. C'est pas toi. Amen. C'est que. Quand je regarde quelque chose, je sais que ça ne peut pas composer avec moi. Et ce que je veux. Je n'en ai pas fait ça. Et nous, d'ailleurs. Amen. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu conçois quelque chose dans ta tête, marche avec les gens pour la même chose que toi. Et tu peux te faire avancer. Non, bon, on ne peut pas. Tu ne marches pas, il est pas du tout. Non. Il n'y a pas encore un jour. Tu vas chez toi, il y a un terme. On marche deux fois ensemble. Il faut la même faire des bons projets. Fais comme ça. Je ne marche pas avec quelqu'un qui ne m'apprend rien. Il ne m'apporte rien. Oh là, c'est quoi? Non, je suis bon, je vais voir, va aller au ciel. Si il n'y a pas intérêt, on va voir lui. Il n'y a pas carré, il n'y a pas carré. C'est pas la vérité, je vous dis. Ah, c'est la vérité. Il n'y a pas intérêt en lui. Tu n'as pas carré, Jésus. Oui, il dit oui, il n'y a pas carré. Tu n'as pas carré en lui, il n'y a pas carré. C'est ce qui est aussi bon. Les disciples ont dit à Jésus. Nous avons dit le ciel. Nos maisons, tu allais préparer, mais nous avons dit. Il a dit, mais tu as vu ça. Il a dit, mais tu as vu ça. On va plus sier. On a
tous les lycées, à qui nous pirons, à la poisson, à des sachets, à la réponse de Jésus. Avec le livre, il a bien répondu. Très belle question. Il y a une vie qui doit quitter le royaume des cieux. Avant de voir, à cause de moi, cette famille, il a rien avant sur la terre, telle chose, telle chose. Et le royaume des cieux est maintenant en même position. Le même ne peut pas y aller. Quand Jésus a regardé, il a dit d'accord. Jésus, il est bon. Il y a l'argent en lui. Il y a tout en lui. Il a tout. Il a pris et puis il a pris sur lui. Il a fait le regard de moi de Jésus. Parce qu'il a pris son intérêt à Jésus. Mais après, de lui, tout dépend de toi. Il va oublier. Dans ta tête. Il n'a jamais joué à mais c'est dans ton cœur. Il va pas. Tout dépend de toi. Il va oublier. Tout vient Jésus. Mais qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Parce que la Bible dit qu'il a fait Jésus. Vous mène les gars de mon cœur. Si tu joues avec la chose, tu ne crois pas. Tu vas être disqualifié.